Ce matin, Janine est la première passagère. Comme chaque semaine, elle va faire son marché. La navette vient la chercher devant sa porte et la raccompagnera tout à l'heure. Oh, indispensable, monsieur. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ah ben, beaucoup de choses, et notamment un peu d'autonomie. Mon travail, ça consiste à emmener les personnes qui n'ont pas de véhicule, qui ont des difficultés à se déplacer. Et je les emmène aux rendez-vous médicaux, je les emmène faire leurs courses à Auchan, et à la gym aussi. Ce service mis en place par le Centre communal d'action sociale de Chambry-les-Tours est destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus. Maintenant, c'est un groupe de retraités que le chauffeur va déposer à leur atelier de gymnastique. Pour bénéficier de la navette, il suffit de s'inscrire 48 heures à l'avance et de payer 1,10€ pour le trajet aller-retour. On a des difficultés à des fois à marcher, et en fait, c'est quand même mieux de on vient vous chercher, on vous ramène. Moi, je trouve que c'est très bien. Comme l'assurance a trouvé que j'étais trop âgé pour avoir une voiture, ils m'ont supprimé mon assurance. Ça faisait 65 ans que j'étais assuré chez eux sans accident. Et on fait du hula-hoop ? On tourne ! Ça permet de rompre l'isolement, de pouvoir faire des rencontres collectives. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir le retour pour savoir ce que les personnes âgées ont besoin au niveau de la commune. Mobilité, lien social, chacun y trouve son compte. Pour l'instant, une centaine de Chambrésiens utilisent la navette.